Franchement, je l'ai niqué, hein. Elle est super mégalo. Incroyable, incroyable ce qu'on a fait, les gars. Voilà, start Q, la Janna. Hop. Je commence à comprendre pourquoi il joue Cookie, Jésus. J'ai dû mettre quoi? J'ai dû mettre 2 Q, 3, à tout casser. Ah bah non, elle commence déjà à prendre un petit peu cher. Je pense qu'elle avait vraiment envie de me tuer, mais je sais pas, j'ai juste... Space ouais, j'ai pas trop d'explications, elle a juste pété un câble. J'ai maybe fait une erreur. J'ai start G-Blade, donc j'ai un petit peu de lifesteal. Mon but est de vraiment rush statique. 150, c'est quand même un coup assez important, et j'ai une Sona qui peut me heal. Est-ce que les refillables sont si bien que ça, sachant qu'il n'y a pas de short trade et il y a surtout du one-shot? Je suis pas sûr. Je pense que c'était un mauvais achat, les gars. Bah oui, Orianna, c'est pas drôle sinon. Orianna, sérieux. C'est quoi cette game? Y'a rien qui va. En plus, ils perdent leur wave, je comprends pas. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ah, me dis pas qu'il y a le jungler. Déjà, y'a le jungler vu comment ça joue. Je commence à être parano maintenant. Mais il joue pas comme s'il y avait Graves. I don't know. Putain, j'ai pas eu assez de dégâts là. Bon, on peut quand même perdre la wave. C'est pas si mal, mais... Chiant. Ah ouais, c'est pas ouf. Parce que la Graves a pas fait Herald, donc c'est-à-dire qu'il a back et qu'il est bot. Ça a pas auto alors j'ai que clic, quoi. C'est normal, ça. C'est vraiment une psychopathe, cette Tristana. Ah voilà, laissez freeze. On peut pas l'empêcher. Dommage. Eh ben, ce qu'il faut faire pour gagner. Elle a pas d'ulti, juste à lui courir dessus. Oh, elle l'a quoi? Oh putain. Elle l'a déjà? Elle vient de mourir. Oh là là, j'ai troll, je pensais vraiment qu'elle ait pas d'ulti. J'aurais dû me barrer à la fin. Ou taper Janna. Le fait de taper Graves, c'est ce qui m'a tué. Putain. Putain, elle est loin encore. Il est super faible le René, que vous avez vu ça. J'ai galéré à le tuer parce qu'il est vraiment très très faible, il m'a fait beaucoup de dégâts.
Regardez, voilà, qu'il n'y a pas grève ici. J'ai l'impression que t'as double flash. Non, j'ai juste eu un bon réflexe sur le flash de l'autre. Là. En vrai, c'est un peu obvious qu'il a les flashs. Des fois, quand vous voyez, je sais pas, votre streamer, un joueur pro, genre faire un flash de zinzin en mode « Waouh, mais c'est quoi cette réaction, c'est surhumain ?» Bah, en vrai, derrière, il y a beaucoup d'anticipation. Parce qu'il y a des situations où vous savez comment un ennemi va tenter de jouer le move, et du coup, vous vous attendez à ça, et vous êtes prêt à flash, par exemple. Genre, si vous savez qu'un ennemi va vous flash in, vous êtes prêt à flash out, genre une Annie. Elle est out du fight, c'est cool, hein. Ouais, Vayne, c'est crack broken, les gars. No joke, quand vous êtes devant, c'est crack broken, ce perso. Vous voyez comme on 1v9 la game? Juste parce qu'on est devant. Après, on a fait les moves en early, hein. Mais le fait d'être devant, vous avez perma Q, c'est une dinguerie. Enfin, moi, je trouve ça trop broken. Genre, si vous êtes devant, vous lâchez pas un adversaire, en plus avec votre passif, là. Qui est même doublé quand vous avez ulti. Le mec, il peut pas jouer. On l'a 1v9 cette game. Oh joy. Elle était pas simple, hein. Et du coup, le petit Cartus, il garde son 100% win rate, il doit être content, je pense. C'est mon sub qui m'honore, c'est sûr. J'honore le sub m'honore, c'est des fous malades. Kata a joué en vrai, ça va. Bon.